Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour la Manufacturer, cette fois-ci sur GT7, pas sur F1 Manager 2022. On est sur le circuit de Laguna Seca. Je me suis un peu entraîné, mais visiblement, il n'y a pas de stratégie à avoir. Assez de carburant. On est obligé de rentrer pour une fois pour les durs. Et le reste, tu le fais en tendre. Donc du coup, on va voir selon les qualifications, la stratégie que je vais faire. On va être parti pour 14 tours. Il y a un autre Français avec moi, c'est TCR Vodka qui est avec moi. Il n'y en a pas d'autres. Non, il y a un Belge, Genesis. Merci à ma chérie, voilà, je t'aime, hein, je sais que tu entends. Et merci de garder les enfants tant que je fais le live, franchement ça me fait chaud au cœur. Et puis voilà, et bonjour à mes enfants également, je vous aime. Voilà, donc du coup, voilà, vous avez pas vu, mais on a fait un time meet de fou, c'est parce que, voilà, Sephironin, vous allez voir, il m'a fait une livrée pour la GR4 et la GR3 sur la Mercedes. Il m'a fait un de ces beaux trucs. Et du coup, ça m'aurait fait chier de pas rouler avec. Et du coup, on a fait un timing. Vraiment, je suis rentré pile poil à 20 secondes. Donc, voilà. On va faire un tour de qualification comme d'habitude. Et après, on se retrouvera pour la course. Je pense que ça va pas charger. Oh non! Tu te fous de ma gueule! Oh non, pourquoi? Pourquoi ça va pas charger la livrée? Oh non! Allez, on est parti pour les qualifs. Ça va le son? Bon, bah vous avez vu le tour de qualification. Voilà, il y a un moment donné, j'ai amélioré mon temps, mais bah, vous avez vu que le meilleur tour, donc c'était le premier. À un moment donné, j'ai amélioré mon temps et je me suis foiré, tout simplement. Et ensuite, j'ai trop forcé. Enfin, j'ai été un peu déboussolé parce que voilà, malheureusement la livrée n'a pas été chargée parce que j'ai été trop vite apparemment. Donc ça n'a pas chargé la livrée. Mais voilà, s'il y a la prochaine course, elle sera là, la livrée, Sephironin. T'inquiète pas, merci encore à toi d'avoir fait ces deux belles livrées. Donc on va partir en 13e position. Donc moi, ce que je propose, je vais mettre les durs. Voilà, je vais mettre les durs et le reste, je le ferai en tendre. Parce que pour cette course, il faut faire au moins un arrêt obligatoire, chausser les durs requis. Et voilà, et les durs font toute la course, donc ça, il n'y a pas de souci. Enfin, les tendres font toute la course. Donc voilà, donc je pense que ça va être la stratégie. Payant ou pas, on verra bien. Et si ça ne fonctionne pas, on fera autre chose à la course suivante. Faut peut-être mieux privilégier de rentrer tout de suite au stand, vu que je pars au fond. Pourquoi? Parce que peut-être que devant, ça va partir en couille et en cacahuète. Sachant que durant les qualifications, franchement, GG à tous les pilotes parce qu'ils s'écartaient. Quand ils se loupaient, ils s'écartaient, ils ne cherchaient pas à gêner les autres ou quoi que ce soit. Et sincèrement, c'est agréable d'avoir des pilotes fair play. Sur la piste, on verra comment que ça se passe durant la course, mais en tout cas durant les qualifications, c'était très bien.
Bon, bah, je sais pas quoi dire d'autre de plus. Je bois mon petit café. La santé à vous. Sauf que je suis fatigué, j'ai travaillé. C'est très rare, oui, c'est très très rare. Salut, Naga. Je prends des forces. Ne inquiétez pas, le jeu va commencer. C'est parce que je vous épargne la scène d'intro, etc. etc. Blablabla. Voilà. Je vais m'étouffer avec le café. Bon, allez, on va être parti pour Laguna Seca. 14 tours. Circuit délicat, mais très agréable. Si tu sors, c'est. Voilà. Ça, c'est moins punitif que Willow Spring. Ouais, j'ai bien mis des durs. Hein. Alors, je vais accélérer à fond pour dire de user un peu de carburant. C'est moins punitif que Willow Spring quand tu sors, mais quand tu sors, ça fait mal quand même. En espérant que j'ai bien placé la caméra également. Je suis encore désolé, si tu reviens, d'avoir oublié la mettre, mais je suis un imbécile, moi. Je suis une tête de nœud, je suis un noopy. J'arrive, voilà. J'oublie vite les choses, c'est un truc de fou, quoi. La vieillesse. Merci. Merci à tous. Merci. Le français qui est là, TSR, franchement, il a envoyé du pâté. Même s'il n'a pas fait la poêle, il a envoyé quand même du pâté. Voilà, je suis là, malheureusement, sans la livrer. Ah, dégoûté. Allez, faites votre pronostic sur le live. Vous aussi sur YouTube, faites votre prono. Dites-moi en quelle position je vais finir. Allez, on est parti, on met le son dans les oreilles pour être en immersion comme d'habitude. GTR, Aiki, l'Autrichien devant moi et derrière moi, l'Anglais. Isnadobul, suivi du Belge, Vodka est deuxième, l'autre français, et j'ai une connexion de Poubi, ainsi que le Belge, dixième, septième. Salut Zelda. Allez. Donc on fait un tour et après on rentre au stand. Ça marche, troisième, mon fils. Allez, il y a de l'espoir. Je crois à son papa. Même moi, je crois pas en moi. Ah, je suis perturbé avec les durs. Ah, je m'en trouve dernier, c'est cool. Ah, avant dernier. Ah merde, je pensais qu'il fallait freiner avant, mais je fais tout de travers. Je fais tout de travers. Salut Donald. Faut être optimiste. Ouais. Je fais tout de travers. C'est sur GT Sport là. Quand tu rentres au stand, la voiture disparaissait pas là. Oh, je pense que je ferai un mauvais résultat. On me retrouve dernier, quoi. Dieu, c'est collé à la route là. Enfin, c'est collé l'un à l'autre. Hein.
Dernier. Raté là.
belge s'est planté derrière. Oh là là, j'ai foiré là. Ah, ça roule fort devant. Hein. Ah, j'ai trop perdu. Je fais des erreurs aussi. Je fais beaucoup d'erreurs de trajectoire. Ouais, bon, j'ai fait des heures supplémentaires le samedi parce que voilà, bah, l'argent et puis il leur fallait des hommes pour faire le travail. Donc ils m'ont demandé, j'ai dit oui quoi. Ah non, c'est 50 qui dit ça. Ah, c'est 50. C'est un de mes collègues, un ami à moi. Salut Pierre. Quitter. C'est chiant les déconnexions quand ça quitte. Ah oui, justement, en voyant 50 mon collègue, je vais dire un truc à dire. Je vais le dire à la prochaine vidéo parce que je pense que je vais refaire la course. Ah, c'est le belge qui a quitté derrière. Cinquante, si tu fais la course, n'oublie pas de la partager pour moi, hein, que je puisse regarder. Hein. Tour. Après le combo il est nul quoi, franchement la voiture elle-même nickel, le circuit nickel, mais le combo usure des pneus, usure d'essence, c'est nul à chier quoi. Ils ont de quoi faire, nous offrir des superbes courses, ils nous font ça quoi. À quoi ça sert? Ça sert à quoi de faire ça? Ils nous prennent pour des débiles ou quoi?
Drapeau jaune, attention. Premier entre stand, mais putain, ils sont loin. Thank you.
il est proche. Mis au milieu pour l'empêcher de passer, mais voilà, 14e. Bon, on essaiera de faire mieux à la prochaine. Hein. Oh là là, putain. Bon, pour YouTube, voilà, course catastrophique. J'ai fait beaucoup d'erreurs de trajectoire en début avec les durs. Voilà, ça allait pas. J'avais l'impression de pas avancer. Je suis tombé sur un salon où ça pousse. Voilà, je me suis entraîné, mais visiblement peut-être pas assez, parce qu'en voyant que il n'y avait pas de stratégie en proprement dit à avoir, bah je me suis pas plus entraîné que ça. Mais je veux pas mentir, hein, je me suis entraîné, j'ai roulé, j'ai même fait un live quand je me suis entraîné. Donc voilà, je pense qu'on va refaire la course. Donc attendez-vous à avoir une deuxième course, et cette fois-ci il y aura la livrée de Sophie Ronin. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous avez fait comme résultat. Mais le combo, franchement, il est pas terrible. Le circuit, il est bien, la voiture, elle est bien, j'aime bien la Mercedes. Mais voilà, nous faire usure de carburant x1, usure de pneumatique x1, et nous obliger à rentrer au stand pour les durs, je trouve ça complètement débile. Polyphonie font n'importe quoi, et je trouve ça con, et ah ouais, il y a JKF qui me connaît. Je trouve ça con, pourquoi ? Parce que... il n'y a pas de stratégie à proprement dit. Parce que soit tu rentres en début, faire un tour de dur et tu rentres, ou soit tu rentres comme on a pu voir à la fin. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête, ça sert à rien, et c'est monotone, tout simplement. Il n'y a pas de réelle stratégie à avoir, c'est vraiment monotone. Voilà, moi j'aspire les courses en stratégie où... voilà, tu dois mettre en place, tu dois économiser du carburant. C'est comme ça que j'aime les courses. Mais là, non. Voilà, tout simplement. Mais il y aura quand même une prochaine course. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.